Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 5. Jésus guérit une femme et rend la vie à une petite fille. Quand Jésus revient en barque de l'autre côté du lac, une grande foule se rassemble autour de lui. Il est au bord du lac. Un des chefs de la maison de prière arrive. Il s'appelle Jaïr. Il voit Jésus, se jette à ses pieds et il le supplie en insistant. « Ma petite fille est mourante, viens poser les mains sur sa tête pour qu'elle guérisse et qu'elle vive. » Jésus s'en va avec lui, une foule nombreuse l'accompagne et les gens sont très serrés autour de Jésus. Dans la foule, il y a une femme qui perd du sang depuis 12 ans. Elle a beaucoup souffert chez de nombreux médecins, elle a dépensé tout son argent, mais elle ne va pas mieux, au contraire, elle va plus mal. Cette femme entend parler de Jésus, alors elle vient dans la foule derrière lui et elle touche son vêtement. En effet, elle se dit « Si je touche au moins ses vêtements, je serai guérie ». Aussitôt, son sang s'arrête de couler et elle se rend compte qu'elle est guérie de sa maladie. Au même moment, Jésus sent qu'une force est sortie de lui. Il se retourne au milieu de la foule et il demande « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui répondent « Tu le vois bien, la foule est très serrée autour de toi et tu demandes « Qui m'a touché ?» Mais Jésus regarde autour de lui pour voir qui a fait cela. La femme tremble de peur parce qu'elle sait ce qui lui est arrivé. Elle vient se jeter aux pieds de Jésus et elle lui dit toute la vérité. Jésus lui dit « Ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ta maladie. » Pendant que Jésus dit cela, des gens arrivent de la maison de Jaïr et ils disent à celui-ci « Ta fille est morte, ne dérange plus le maître. » Mais Jésus a entendu ces mots et il dit au chef de la maison de prière « N'aie pas peur, crois seulement. » Il ne permet à personne de l'accompagner, sauf à Pierre, Jacques et Jean, le frère de Jacques. Ils arrivent à la maison de Jaïr. Là, il y a beaucoup de bruit. Jésus voit que les gens pleurent et poussent de grands cris. Il entre dans la maison et leur dit « Pourquoi faites-vous tout ce bruit et pourquoi est-ce que vous pleurez? La petite fille n'est pas morte, mais elle dort. » Les gens se moquent de lui. Alors Jésus fait sortir tout le monde. Il prend avec lui le père et la mère de l'enfant et ses trois disciples. Il entre dans la pièce où la petite fille se trouve. Il la prend par la main et lui dit « Talitha koum ». Cela veut dire « Petite fille, je te le dis, lève-toi ». La petite fille se lève tout de suite et elle se met à marcher. Elle a 12 ans. Ceux qui sont là sont très étonnés. Mais Jésus leur demande avec force, « Ne dites rien à personne. » Ensuite, il leur dit, « Jésus quitte cette Nazareth de croire en Jésus. Alors Jésus leur dit, un prophète est respecté partout, sauf dans sa ville, dans sa famille et dans sa maison. Jésus ne peut faire aucun miracle à Nazareth. Pourtant, il guérit quelques malades en posant les mains sur leur tête. Et il s'étonne parce que les gens ne croient pas. Jésus envoie les 12. Ensuite, Jésus va enseigner dans tous les villages qui sont autour de Nazareth. Il appelle les 12 et il se met à les envoyer 2 par 2. Il leur donne pouvoir sur les esprits mauvais. Voici ce qu'il leur commande. Pour la route, ne prenez rien avec vous, sauf un bâton. Pas de pain, pas de sac, pas d'argent dans votre poche. Mettez des sandales, mais emportez un seul vêtement. Jésus leur dit encore, quand on vous recevra dans une maison, restez-y jusqu'au moment où vous quitterez l'endroit. Quand les gens ne voudront pas vous accueillir quelque part, quand ils ne voudront pas vous écouter, partez en secouant la poussière de vos pieds. De cette façon, vous leur montrerez qu'ils ont mal agi. Les disciples partent et ils demandent aux gens, changez votre vie. Ils chassent beaucoup d'esprits mauvais et guérissent beaucoup de malades en versant de l'huile sur eux. Hérode et Jésus. Le roi Hérode Antipas entend parler de Jésus parce qu'il est devenu célèbre. Les uns disent, c'est Jean-Baptiste qui s'est réveillé de la mort. Voilà pourquoi il a le pouvoir de faire des miracles. D'autres disent, c'est un prophète comme un des prophètes d'autrefois. Quand Hérode entend cela, il dit, c'est Jean-Baptiste. Je lui ai fait couper la tête, mais il s'est réveillé de la mort. La mort de Jean-Baptiste. Voici l'histoire de la mort de Jean-Baptiste. Hérode Antipas a pris pour femme Hérodiade, la femme de son frère. Des visites. Jean dit à Hérode, tu n'as pas le droit de prendre la femme de ton frère. Alors Hérode lui met si le devant Jean était... et le fait attacher et mettre en prison. Hérodiade déteste Jean et elle veut le faire mourir, mais elle n'y arrive pas.
Parce qu'Hérode respecte Jean. Il sait que c'est un homme juste et saint et il le protège. Quand Hérode écoute Jean, il ne sait plus ce qu'il faut penser. Pourtant, il aime bien l'écouter. Mais un jour, Hérodiade trouve une bonne occasion pour faire mourir Jean. C'est l'anniversaire d'Hérode et celui-ci donne un grand repas. Il invite les notables, les chefs de l'armée et les gens.